Yes, salut tout le monde, salut YouTube. Alors j'en profite d'un rayon de soleil pour sortir les DJ Boost. Alors vous aurez pu le reconnaître, on a la V1 ici, j'avais déjà fait une petite vidéo explicative de comment j'avais procédé pour le fabriquer. Et ici on a la V2, une commande pour un pote qui lui est entièrement fini. Bon, il reste quelques finitions, quelques petits trucs, il y a toujours quelques petits trucs à régler avant que ça parte, mais... Et voilà, et sans accessoires, là les deux sans accessoires, donc comme ça on voit la différence. Donc lui c'est pour accueillir un DDJ Flex 6. Et je dis sans accessoires parce qu'en fait il y aura une plaque de plexi pliée qui va venir se fixer en dessous, qui va monter et qui va se rabattre un peu en angle ici pour pouvoir poser là, son PC. Donc voilà, donc il y a eu quelques modifications par rapport à la V1, notamment l'ajout de picots dans les angles qui fait que en fait on peut toujours l'enlever entièrement, mais au moins c'est beaucoup plus ça se tient beaucoup mieux en fait, c'est beaucoup plus précis. Alors évidemment à une main c'est moins facile, voilà. Donc voilà, toujours le système des vents pour pouvoir passer les câbles, le même système d'accroche avec les lock papillons là, les systèmes papillons pour maintenir ça marche, mais nickel quoi. Donc voilà, puis sinon au niveau finition, des petites baguettes en bois pour faire les finitions propres, et l'embase il n'y a rien qui change. Voilà, au niveau de la V1, si je vous refais un petit tour d'horizon, bon voilà, c'est pas fini, il reste les peintures à faire, dans notamment ici là dans les angles et tout, et quelques trucs à peaufiner à la pâte à bois, etc. Et puis un peu de peinture aussi ici, mais voilà, l'essentiel est fait. S'il va falloir peut-être que je rebouche ici, mais voilà. Ah si, petit point aussi sur celui-là, il y aura l'ajout d'un évent comme sur celui-là pour pouvoir faire passer les câbles, évidemment les câbles du PC, et ça je ferai ça quand il y aura la plaque de plexi posée dessus. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon sur l'avant de ce que ça donne. Oh ouais, ça a de la gueule quand même. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, la V1 ou la V2. Ça va peut-être faire des jaloux, mais c'est pas grave. Non, c'est le jeu, mais franchement les deux, vous voyez, ouais, ici j'ai pas fait les finitions moi sur le mien, alors qu'ici c'est clean. Mais voilà. les deux se valent, franchement les deux sont super beaux, je suis super content de moi. Et le pote en question qui a commandé celui-là est super content aussi, donc franchement c'est cool. Donc voilà, c'était le petit tour d'horizon et la mise à jour des DJ Boost Custom. Et bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se tient au courant pour de nouvelles vidéos côté créatif. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.